évoquiez déjà, je vous le disais, ce remake de cette finale du dernier Euro, Portugal-France, dans ce complètement foot, avec Thomas Châtel, avec Pascal Chimet et Clément Tamon qui nous rejoint déjà pour nous parler évidemment des Bleus, nos yeux dans les Bleus, n'est-ce pas Clément? Bonsoir Clément. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là. On espère donner la parole aux Portugais dans un instant, mais un petit retard. On va voir cela. Je croise les doigts. Il y a une heure de décalage avec le Portugal aussi. Ouais, redonnez-lui l'heure à Mehdi pour être sûr qu'il soit là dans un instant. Je le taquine. Clément, quel est l'état d'esprit à J-1 de ce remake de cette finale et ce match Portugal-France du côté des Bleus? Du côté des Bleus, à J-1, on est dans le questionnement, on attend de voir ce que l'équipe de France va produire face au Portugal. Autant on avait des certitudes après le match de l'Allemagne où on avait compris qu'elle était dans le même tempo que la dernière Coupe du Monde et assez efficace. Autant face à la Hongrie, on les a sentis en difficulté et surtout avec une contre-performance. Donc au final, deux enseignements différents sur les deux matchs. Et là, face au Portugal, on attend une réaction et forcément une victoire. Le doute s'est installé, Thomas. Le départ d'Ousmane Dembélé, l'inefficacité de Karim Benzema, la fébrilité défensive. Et vous avez mis trois ingrédients qui font en sorte que c'est en effet un petit doute qui s'installe malgré le fait que cette équipe est aussi qualifiée. Il n'y a pas péril en la demeure, je l'avais tout de suite dit après le match contre la Hongrie. Ce point pris par l'équipe de France est très important dans des conditions difficiles. Ça aussi, c'est le signe des grandes équipes qui parviennent malgré tout à retirer quelque chose de ce genre de match, parce que Dieu sait s'ils ont souffert face à cette Hongrie-là. Il faudra voir si Benzema parvient à débloquer son compteur, parce que ça sera quand même une grosse influence, je trouve, et ça pèse. Je pense que ça pèse parce que le pari, il a été fait par Deschamps, on le connaît tous, de mettre un garçon comme Giroud un petit peu de côté pour faire place à Benzema et que on s'attendait tous à ce que le rendement soit là tout de suite. Alors en termes de jeu, on l'a vu dans les matchs amicaux notamment, on l'a vu aussi un petit peu dans le premier match, même si c'était moins le cas face à l'Allemagne et encore moins face à la Hongrie, c'était pas grandiose, mais ce qui a sauté aux yeux de tout le monde, c'est les grosses occasions manquées, évidemment, de Benzema, là où au Real, ça n'arrive que très peu, voire jamais. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu un petit malaise, je dirais, par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Il faudrait que ça se règle assez vite, je pense, pour l'équipe de France. Oui, la pression est énorme sur Karim Benzema. Quelles seront, selon vous, Clément et puis Pascal, les options choisies par Didier Deschamps demain dans ce 11 face aux Portugais? Déjà, je pense que dans les médias, on a évoqué la présence de Koundé sur le côté droit à la place de Benjamin Pavard. Benjamin Pavard qui était assez critiqué sur les deux performances. Et je pense qu'il a besoin aussi de souffler par rapport à la pression médiatique qu'il y a autour de lui. Et Koundé, par rapport à la saison qu'il a fait à Séville, mérite aussi de démarrer cette rencontre. Et puis après, je pense qu'on sera sur une équipe plutôt classique, toujours avec le trio Kanté, Pogba et Rabiot, je pense. Et devant, ça changera pas, hein, tant que ça restera. Tant que Karim ne marquera pas, je pense qu'il laissera sur le terrain pour vraiment... vouloir le mettre en confiance. Pascal. Mais ce qui est quand même assez interpellant quand on suit l'équipe de France depuis le début et même avant la compétition, c'est qu'on entend tout et son contraire. D'abord, après la prestation contre l'Allemagne, prestation aboutie, j'entendais des confrères, des analystes, des observateurs, en France principalement, dire que l'équipe était injouable, qu'elle était imbattable, que physiquement c'était une grosse prestation, qu'elle était prête, et puis qu'offensivement ça allait faire des dégâts, qu'elle était cynique, etc. Et puis contre la Hongrie, il y a eu ce couac, mais on rappelle quand même qu'après une demi-heure, si c'est 0-2, on assiste à un autre match. Et puis il y a eu des carences en deuxième mi-temps, on a vu qu'il y a eu une absence d'idées, on a vu que certains jouaient un petit peu trop l'effort personnel plutôt que de s'appuyer sur ce qui a fait la force de l'équipe, c'est-à-dire aussi le bloc équipe, le collectif.
On a vu que des joueurs étaient un peu empruntés. Et donc là, l'opinion française, surtout les suiveurs, ont un peu changé leur fusil d'épaule en disant « Tiens, il y a un truc qui ne colle pas avec la préparation physique. Ils sont un petit peu fatigués, à tes souhaits, Thomas. » Oui. Est-ce qu'il y a un problème Benzema ? Alors que les statistiques montrent que Mbappé joue 8 fois plus avec Benzema qu'avec Giroud, que Griezmann trouve beaucoup plus et cherche beaucoup plus Benzema que Giroud. Et du coup, j'ai l'impression, moi, que c'est l'opinion publique, que ce sont les suiveurs qui essayent de mettre un doute et des réserves autour de cette équipe. Et qu'à l'intérieur de l'équipe, ces doutes-là, je pense qu'on ne les a pas. Hugo Lloris, en conférence de presse tout à l'heure, a dit, vous savez, oui, j'ai vu des équipes très fortes sur ce tournoi. La Belgique, l'Italie, les Pays-Bas. Mais à partir des huitièmes de finale, c'est un autre tournoi qui commence. Il ne faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde, l'équipe de France, certes, avait gagné ses 3 matchs de poule, mais on se souvient tous dans quelles difficultés elle les avait gagnés. Donc, il suffit, contre le Portugal, c'est un match où tout peut arriver. Je veux dire, tu peux être battu comme tu peux donner une leçon d'efficacité au Portugal. Karim Benzema marque et là, tout va bien dans le meilleur des mondes. De toute façon, je vais vous dire un truc et je ne sais pas si Clément sera d'accord, mais que Deschamps perde son vestiaire, ça n'arrivera jamais. Il a trop de soldats sur le terrain, ouais. avec Loris, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann. Avoir une colonne vertébrale comme ça qui, vous le savez, de toute façon sera derrière vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le vestiaire, il ne se retournera pas. Donc ça, c'est sa grosse force. Il l'a construit à coup d'années et de titres, il faut le dire. Et ça, c'est son gros avantage. Après, ça n'empêche que s'il n'y a pas de but marqué par Benzema, à un moment, il va se retrouver devant un dilemme. Et à un moment, ben, voilà, il faudra aussi peut-être donner la chance à d'autres. Oui, on rappelle qu'ils sont qualifiés, évidemment, pour ces huitièmes de finale, grâce à la Belgique, pas grâce à la Belgique. Bref, Clément, sur ces soldats du général Dédé. Bah, je suis totalement d'accord avec Thomas et je rejoins vraiment ce qu'il a dit. Voilà, Didier Deschamps, il a construit cet effectif et cette équipe depuis des années, aussi au détriment d'autres joueurs où il a fait des choix importants. Et vraiment, il a opté pour une cohésion de groupe. Et finalement, les joueurs aujourd'hui sont redevables de ça. Ils savent ce qu'ils doivent à Deschamps. Et quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière lui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques postes où il y a un questionnement. Et forcément, c'est le poste aujourd'hui d'attaquant où il avait finalement mis la confiance en Olivier Giroud. Et le retour de Karim Benzema a changé un peu sa stratégie. Là où d'habitude il opte pour vraiment la continuité, ici il a décidé de changer vraiment de numéro 9 et ça a changé un peu le style offensif des trois de devant. Donc maintenant on va attendre de voir face au Portugal comment Karim Benzema va s'en sortir et je l'espère qu'il puisse ouvrir le score. Griezmann l'a très bien dit, il faut qu'il ouvre le robinet et quand le robinet sera ouvert ça va couler. Donc on espère tous en France que ce sera le cas. Et si jamais ce n'est pas le cas, on a vu encore aujourd'hui qu'un Giroud sur les réseaux sociaux a dit « Attention, papy n'est pas mort, j'ai faim et quoi qu'il arrive, il sera derrière Deschamps et il sera là pour faire la différence aussi. » Et je pense qu'il la fera si l'occasion se présente. Clément Tamon et nos yeux dans les bleus. On va parler du Portugal dans un instant avec Mehdi Soares. Il veut ouvrir le robinet, Griezmann, c'est peut-être parce qu'il a trop chaud. Petite question, Clément, petit clin d'œil. On parlait des voyages et des problématiques des voyages pour la Belgique qui revient chaque fois à Tubize. Rester à Budapest dans cette chaleur dont s'est plaint Antoine Griezmann, entre autres. Est-ce que c'est un meilleur choix de préparation, Clément, selon vous ? Moi, je pense qu'ils ont opté pour la continuité, ne pas faire de voyage. Ça, c'était important. Et puis aussi s'habituer à cette chaleur, finalement, parce qu'ils s'en sont plaints. Donc, ce que j'espère, c'est qu'ils se sont entraînés sous la chaleur. Et avec les sonos, vous voyez, les sonos derrière les tribunes pour qu'il y ait bien du bruit, pour qu'ils ne s'entendent pas parler. Et avec les manches courtes, hein, Clément. On va parler du Portugal avec Mehdi Soares qui nous rejoint une nouvelle fois pour évoquer évidemment ce 11 portugais demain pour ce remake de cette finale qu'eux ont gagnée dans cet Euro 2016. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Faites-nous rêver. Comment allez-vous? Très très bien. Pardon, vous-même. Je tiens à préciser quand même le décor opposé Portugal est quand même incroyable. Voilà, je vous conseille de vous brancher sur le site sport de l'RTBF ou Ovio pour l'image en plus du mais son. Mais le ciel est bleu. Voilà, il le ciel est bleu, Mehdi. Et alors, la température? Le ciel est très bleu, il fait magnifique. À Porto, il fait 23 degrés. C'est vraiment la météo idéale. J'ai passé une belle journée en famille à la plage et maintenant je suis prêt à débattre sur les Portugais qui ont déjà sorti la calculatrice, hein, par contre. D'accord, expliquez-nous. Donc voilà, on n'est pas les seuls à faire les calculs pour les meilleurs troisièmes alors? Non, le Portugal attend impatiemment le match de ce soir entre la Croatie et l'Écosse, parce qu'on sait très bien que si un match nul entre ces deux sélections arrive, elles resteront bloquées à 2 points, ce qui permettrait peut-être donc déjà au Portugal d'être qualifié comme la France. Et c'est un peu ce que le Portugal souhaiterait pour avoir moins de pression demain, parce que c'est vrai que on se dit que la France, bon, voilà, c'est une grande sélection, on le sait, championne du monde. Il y a peut-être aussi un esprit de vengeance qui animera les Bleus par rapport à l'Euro 2016. Et de mon côté, je pense qu'on aura un plus beau match, c'est vrai, si le Portugal a la chance à l'heure du coup d'envoi d'être qualifié, parce que sinon, ça va être, je sais pas si vont être un peu stressé par l'enjeu, parce qu'une défaite contre la France par plus d'un but d'écart pourrait compliquer les choses pour la sélection. Et maintenant, est-elle capable de battre l'équipe de France? Ben, Fernando Santos va devoir faire quelques changements, hein, parce que sa double sentinelle au milieu, Carvalho, Danilo, on en a un peu assez et on voudrait voir autre chose, notamment Renato Sanches. Donc on verra bien. Ouais, il a été fort, fort critiqué, hein, Mehdi, Fernando Santos au pays. La solution, tu le disais, c'est sans doute la titularisation de Renato Sanches. Mais qu'en est-il justement de ce petit match dans le match avec Cristiano Ronaldo et le fameux record, lui qui n'a jamais marqué non plus, hein, contre l'équipe de France? Est-ce qu'on en parle au Portugal ou on se concentre plus sur la défaite encore contre l'Allemagne et les carences de l'équipe et la tactique de Fernando Santos? Alors le problème, c'est que oui, le Portugal est plutôt préoccupé par la tactique de Fernando Santos, mais néanmoins, sachant que lorsqu'on parle de la sélection, on parle de Cristiano, et ben voilà, on est à bloc sur le fait que Ronaldo est à 2 buts d'égaler le buteur iranien Al-Hilali. Donc c'est ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui reste dans les têtes. Autre chose en plus, Cristiano n'avait jamais marqué contre l'Allemagne. Il avait inscrit 9 buts contre Neuer, mais jamais contre la Mannschaft. Il l'a fait. Alors peut-être que c'est aussi l'année de tous les records pour lui. Et demain, il inscrira un but face aux Bleus. Et du côté portugais, je pense que plus que la première place, la deuxième, je pense qu'il vise plus la qualification. On sait qu'un match nul irait bien dans tous les cas pour le Portugal. Pas forcément pour la France, parce que je pense qu'ils veulent plutôt la première place. Mais côté portugais, je pense qu'ils l'ont déjà vu, peu importe finalement. À l'Euro 2016, ils ont fini 3e. Moi, on a, voilà, ça n'a pas empêché d'aller au bout. Donc ouais, voilà, c'est ça. Peu importe, en fait, je pense que la priorité est de se qualifier. Dans tous les cas, que vous jouiez l'Angleterre, la Belgique, ou je ne sais plus quelle est l'autre équipe, quelle autre sélection où on peut tomber, je crois, quand on finit 2e. Mais oui, Pays-Bas, c'est ça? A, B ou C, à vérifier. Pardon, je n'ai plus ça en tête, mon cher Mehdi. Non, ce serait plutôt Ukraine ou Autriche dans ce groupe. L'Ukraine, si l'Ukraine termine comme meilleur 3e, pardon, voilà. Ouais. On a sorti la calculatrice. Mais peu importe, on le sait très bien que peu importe, quand on veut gagner, c'est comme... Oui, c'est comme en Ligue des Champions, peu importe, quand on veut gagner le trophée final, eh ben, il faut savoir affronter toutes les équipes. Le Portugal a montré qu'il n'avait pas été capable de contrer l'Allemagne. Là, c'est un problème parce qu'on avait déjà vu quand même contre la France que l'Allemagne, ça jouait bien.
ils n'ont pas retenu les leçons. Il y a eu des problèmes, on a vu sur le côté droit portugais, mais là, on a vu que l'absence de João Cancelo avait fait du mal, parce que Nelson Semedo, là, sur ce match-là, il est passé un peu à travers. C'est vrai qu'il a reçu un peu les foudres de la, aussi dans la presse, mais néanmoins, c'est vrai qu'il a été très rarement couvert par la sentinelle. On veut bien jouer avec deux milieux défensifs, mais pas forcément ceux-là. Il faut peut-être changer. Et il y a pas mal de joueurs qui, justement, ont très faim et veulent montrer pourquoi ils sont dans les 26 portugais. Mehdi Soares, en direct sur Vivacité, dans ce Complètement Fou. Thomas Châtel. Salut Mehdi, juste une petite question. On en avait parlé un petit peu par rapport à Bruno Fernandes. Qu'en est-il de l'état physique, l'état de fatigue de garçons comme Bernardo Silva, Bruno Fernandes et d'autres qui ont été sortis à la 45e, à la 63e, est-ce que tu les vois encore titulaires ou ils sont cuits pour toi et il faut qu'ils se reposent un peu là? Je pense que Bruno Fernandes, à mon avis, vu l'enchaînement des matchs, c'est pas comme si le Portugal n'avait pas de solution. Alors c'est clair, c'est l'un des atouts de la sélection, comme Bernardo Silva. Mais là, João Félix est présent, il a repris les entraînements, il pourrait être capable d'être titularisé. Il y a Renato Sanchez, mais il y a aussi d'autres joueurs. Hein. Il y a Payne, il y a du Sporting qui vient d'être sacré. Les joueurs du Sporting, on peut compter sur eux aussi. Hein. Quand tu viens de remporter un titre, le Sporting n'avait pas été champion depuis 2001 avec Laszlo Bologny, qu'on connaît bien en Belgique. Les mecs ont faim, donc on peut très bien les titulariser et justement au cas où faire l'inverse, faire une entrée à Bruno Fernandes ou à Bernardo Silva qui n'entre que pour le dernier quart d'heure, ça peut faire aussi la différence. Donc comme Renato t'attends... l'a démontré. Tu t'attends à beaucoup de changements autour de Ronaldo, quoi? Je pense que au moins deux ou trois, à mon avis, deux ou trois changements feraient du bien. André Silva, pareil, hein, meilleur buteur. Pas meilleur buteur, mais l'un des meilleurs buteurs de Bundesliga, parce que Lewandowski est au-dessus. Mais c'est vrai qu'un joueur qui marque autant de buts en Bundesliga, c'est un joueur, à mon avis, sur lequel on peut également compter. Donc, merci. Je pense que... Merci Mehdi. Obrigado. Merci beaucoup Mehdi. Clément, merci beaucoup à tous les deux. Pouvez-vous merci saluer beaucoup. Un prono Mehdi pour le bon match night. Demain. Le match pour demain. À demain mon ami. Le prono Mehdi pour le match. Je vais quand même mettre une victoire du Portugal par 2-1. Mais un 2-2 m'irait très bien. Clément ? Ben moi, je vais dire un 2-0 avec un but de Benzema et un but de Giroud. Allez, on se retrouve évidemment demain aussi pour un nouveau numéro de Complètement Foot. Suivez